Salut à tous, c'est Legend X. Waouh, j'ai la pêche, c'est un truc de fou. Et vous, comment allez-vous les gens? J'espère que pour la plupart d'entre vous, les vacances se passent bien. Moi actuellement et depuis quelques semaines, je suis aux États-Unis d'Amérique. Je m'éclate comme un petit fou, mais je reviens en France vers fin août. Ne vous inquiétez pas, afin de vous ouvrir toutes les nouveautés XY3 Point furieux. D'ailleurs, je compte sur vous pour dès à présent faire vos précommandes des boosters display et tripack français de XY3 Point furieux chez mon partenaire, la boutique Troll de jeu. Donc, pour plus de renseignements, lisez la description et le lien s'y trouvera pour les précommandes. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la grosse ouverture d'une Elite Trainer Box XY3 Furious Fist, l'équivalent de Point furieux, mais pour les Anglais. Américains, bon, les anglophones quoi. Pour la petite anecdote, alors quand je faisais les courses au Walmart et tout, je suis bien évidemment passé au rayon des jeux vidéo comme n'importe quel français, étant donné que bon bah un jeu vidéo à 40$, c'est largement mieux qu'un jeu vidéo à 40€. Et là, je vois le rayon des cartes Pokémon avec toutes les nouveautés XY3 Furious Fist. On est seulement le 8 août, la série est censée sortir le 13. Je me suis acheté cette magnifique box Elite Trainer avec Mega Lucario à l'effigie, Furious Fist. On trouvera plein de choses hyper intéressantes à l'intérieur. Et je me suis aussi acheté, pas seulement l'Elite Trainer Box, mais on retrouvera dans les prochaines vidéos 5 boosters sous blister XY Furious Fist. Voilà. Et attention, un nouveau pack Mega Charizard Y Collection. Donc on retrouvera, comme vous pouvez voir, 2 boosters XY3 Furious Fist, un booster XY étincelle Flash Fire et un XY de base plus une magnifique Charizard. Donc je vous réserve ça pour les une des deux prochaines vidéos ainsi que les 5 boosters. Voilà, donc cette élite. Alors attaquons maintenant l'Elite Trainer Box, hein. Énorme box, elle m'a coûté 40$ je crois, donc bon bah ça fait environ 33€ pour ceux qui ne savent pas. Alors ce qu'elle contient, donc regardez à quoi elle ressemble. Donc là c'est tout noir, hop, enfin noir marron foncé, ça dépend de la lumière. Comme la lumière est très forte, c'est assez noir. Donc son contenu, on retrouvera 8 boosters de la dernière série XY3 Rising Fist, des pochettes, méga Lucario, plein d'énergie, des dés, des jetons pour jouer. Et voilà plein d'autres choses, donc Become King of the Ring. Donc devenez le roi du ring les gens. Ça c'est pas mal comme jeu de mots. Bon, je sais pas si la plupart d'entre vous parlent anglais. Pour ma part, moi ça va, je me débrouille pas mal en anglais. Sinon au niveau des Pokémon, attendez, donc je vais essayer d'ouvrir ça. Alors je vais un peu galérer, j'ai pris un crayon papier assez pointu, voilà, pour enlever le plastique sans tout dégommer. Alors regardez comment on va faire ça. Voilà, super. Donc je me suis aménagé un petit bureau pour faire cette ouverture dans ma petite maison aux États-Unis. Hop, j'enlève ça. Voilà, magnifique. Oups. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit carnet avec XY Furious Fist Mega Lucario. À l'intérieur, donc Pokémon TCG Furious Fist, c'est un guide pour les joueurs. Oh, c'est intéressant ça. Ouh, il y a toutes les cartes de la série. Donc, on retrouve le méga Scarinoex, le méga Lucario, les énergies, les Cradopo, comment il s'appelle celui-là? Halucha, en français, c'est Brutalibré, voilà, Brutalibré, Dracolos, voilà, donc après on a toutes les cartes de l'édition qu'on peut cocher ou pas, si on les a ou pas encore, voilà, donc sinon on retrouvera 2 decks que je vous ouvrirai quand ils sortiront en français et quand je serai revenu en France, donc hop. Ok, génial, donc très sympa, là on retrouve toutes les énergies. Voilà, donc tout d'abord ce qu'on avait, hop, je mets ça de côté, je vous réserve ça pour le récap. Puis un petit truc, ok, rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ah zut, j'ai fait tomber un booster juste derrière l'armoire. Attendez 2 secondes que j'aille le chercher. C'était le petit coquin de Brutalibré qui s'était enfilé juste derrière l'armoire. Excusez-moi. Bref, donc reprenons. Alors, ce magnifique Elite Trainer Box Mega Lucario contient 8 boosters. Donc on retrouvera l'illustration Brutalibré, évidemment, le petit coquin. Voilà, très très beau booster, c'est la première fois que je les vois. Ensuite, on a un petit Ranidur. Méga Scarino et un méga Lucario. Oh pardon, ça c'est un Rexilius et son évolution en dessous c'est Ptyranidur. Je venais de m'en rappeler. Un autre méga Scarino et un Brutalibré. Donc ce qui nous fait bien 8 boosters. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est des espèces de cartes pochettes. Tiens, je ne sais pas du tout ce que c'est. Regardez, là on a un méga Lucario et juste derrière
On a un Furious Fist. Je pense que c'est pour trier ses cartes. Honnêtement, j'ai aucune idée. C'est assez bizarre. Faudra que je me renseigne à quoi servent ces pochettes. Ensuite, donc, un petit deck avec plein d'énergie. Ouvrons ça tout de suite. Hop, et regardons vite fait ce qu'il nous réserve. Donc, des énergies de type eau. On a du type psy, métal, électrique, plante, feu, combat, ténèbres et fée enfin. Donc, ce qui nous fait toutes les énergies qui existent pour l'instant. Et enfin, on retrouve, ouh, ça m'a l'air assez intéressant. Des pochettes de rangement méga Lucario. Waouh, elles sont magnifiques. Regardez, hop, je vais ouvrir ça. Je pense qu'il y en a au moins 50, ah, il y en a même 100, hein. Je sais pas, il doit y en avoir peut-être 50 ou 100, 65, voilà, il y en a 65. Donc ça contient 65 card sleeves. Hop, elles sont très très belles, je vais en sortir une. Donc elles ont une couleur argentée derrière. Ah bah non, c'est là où on met la carte, hop, une couleur argentée là où on met la carte. Et à l'arrière, on retrouve le magnifique méga Lucario. Bon bah, ces pochettes, je vais les garder pour... le récapitulatif, ou même quand on aura des cartes holographiques ou ultra rares, si on en pioche, je mettrai les cartes, voilà, dans ces pochettes. Et sinon, enfin, il nous reste des petits dés pour jouer, et je crois que c'est pas tout, on a même des jetons. Voilà, donc c'était tout, c'est tout ce qu'on retrouve. Allez, on va passer tout de suite à l'ouverture des boosters. Je range tout ça, hop, je pousse le reste qui nous dérange, j'ai hâte qu'on ouvre ces booster. Ah, je pensais jamais ouvrir du US, enfin en tout cas du XY3, mais bon, je me fais plaisir les gens. Je me fais plaisir et on commence avec le booster Brutalibré. Allez, c'est parti les gens. Donc j'espère que j'ai pas trop me gouré au niveau des noms en anglais. Si j'arrive pas trop à traduire, excusez-moi. Ne me crachez pas dessus dans les commentaires s'il vous plaît. Et voilà à quoi ressemble le code online XY Furious Fist. Si y en a un d'entre vous qui veut un booster américain, voilà, c'est cadeau. Allez, c'est parti les amis, et on commence avec un Poncham, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, Magmar, on a un Mélofée, Pokémon de la 6ème génération, donc Clancher en anglais, en français, je ne sais plus, je crois que c'est Langouste, un truc comme ça, Pikachu, ah très mignon, tiens celui-là je l'avais pas vu parce que toutes ces cartes je les avais déjà vues dans, ah même pas le Mélofée, je l'avais pas vu, en fait la 90% des cartes de cette série proviennent des de la série japonaise XY3 Rising Fist. Donc si vous avez bien suivi mes ouvertures de 100 boosters et de la box, et ben vous connaissez la plupart des cartes, sauf que cette Pikachu, ils l'ont ajouté, donc c'est très 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 mignon. J'ai oublié de faire le 1, 2, 3, 1, 2, c'est pas grave. Donc on a un Electek Reverse et un Namagora, je crois que c'est ça, en rare. Ok, bon, plutôt un bon booster. Après on passe au peu commun, donc sympa le Raichu, très très mignon. Voilà. Très belle carte. Mien Chao, donc c'est un Shaofuin. Et Tignon. Voilà, Tignon pour terminer le booster. Donc un booster assez sympa. Hop, je vais mettre les cartes de côté. On enchaîne avec le deuxième booster. Hop là, le code online, je vous le donne. Oups, là j'ai fait 1-2, j'avais l'habitude avec les boosters japonais. Donc c'est 1-2-3-1-2, je crois que c'est ça. Voilà, je reprends l'habitude parce qu'en fait j'ai pas ouvert de booster de 10 cartes comme ça, français ni anglais, depuis XY Étincelle il me semble. Parce que j'avais ouvert les boosters japonais, après je vous ai fait plein de présentations d'ultra rares et on passe à ça. Donc un Evoli, Scraggy, ah j'ai des trous de mémoire. C'est la... bon, je sais plus, c'est la petite évolution de Scrafty. Là, on a un Negapi. Clowncher. Balignon. Voilà. Limaspeed. Ok. Une Trainer. Donc, Mountain Ring. Ok. Tignon. Negapi en Reverse. Et derrière, une première holographique. Il s'agit de Ampiflore Holo. Ok, donc, vous savez quoi, je vais mettre... une pochette Lucario, regardez à quoi ça ressemble. Waouh, c'est vraiment très très bien fait, très très classe. Les pochettes sont magnifiques. Ok, bon bah ça nous fait quand même une holo. Oui, il fait extrêmement chaud.
Allez, Mega Scarino. Donc, n'hésitez pas à me dire quelle illustration de booster vous préférez dans les commentaires. Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est bien évidemment le Mega Lucario. Très très beau booster. Il a vraiment la classe. Il a du punch, comme on dirait. Petit jeu de mots au passage. Hop. Là, on a un Posipi. Pikachu. Slakoff. Je ne sais plus. Bon bah je vais dire le nom anglais quand je sais pas trop. Cupchou, Ratentif, Melodelph, c'est ça, une traîneur, Diagmara, Mugara, une des deux. En tout cas j'ai vraiment beaucoup de mal avec les Pokémon de la 5ème génération, c'est pas mal. Donc là on a un Exelang en reverse et derrière. Comment il s'appelle? Je ne sais plus, pourtant c'est un Pokémon de la 5ème génération, je devrais savoir. Il va me revenir en tête. En tout cas, très très beau. Si vous le savez, ne me lynchez pas dans les commentaires, je sais que vous êtes les meilleurs pour ça. Allez, on enchaîne avec mon illustration préférée, Mega Lucario. Hop. Ah voilà, Polagriffe. Et son évolution en dessous, c'est Polarume. Ah ça y est, je m'en rappelle, je me disais, c'est pas possible, comment je fais pour oublier ça? C'est bien Polagriffe. Hop, allez, Négapi, Chétiflore, Scraggy, Polarume, je viens de le dire, Gringolem, Melodelphe, Rechercheur de fossiles, entraîneur, Hitmontap, donc c'est Capoeira, et très très belle holographique reverse Demeteros, et derrière, attention, Givrali. Ok, plutôt un beau booster. Bon, allez, il nous en reste 4 à ouvrir. Je croise les doigts pour qu'on pioche une petite ultra. Ça serait vraiment, oh my gosh, un truc de malade. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti. Donc, on a un Mélofée. Craquenois. Rapion. Donc c'est la petite évolution de Limaspeed, je ne sais plus, je suis désolé. Xiaofuin, son évolution d'au-dessus. Mianfu, je ne sais plus. Énergie, plante. Vigoroth, ça c'est pareil, yes, je suis trop fort. Une traîneur, donc un fossile. Après on a un Deden en reverse, pas mal du tout. Et oh putain, pas mal du tout. Une traîneur full art rechercheur de fossiles. Ah ouais, putain, elle brille vachement, hein. Beaucoup plus que la japonaise, bizarrement. Il n'y a pas le même effet de brillance, mais celui-là, elle brille énormément. Bon, bah je vous mets quand même là une pochette normale. Ah, vous savez quoi, je vais vous mettre une pochette méga Lucario pour voir ce que ça donne. On va découvrir ensemble avec une full art. Ça pourrait être assez épique, surtout avec les bords dorés, là. Ouh, ça rend très très bien. Magnifique carte. Ok, c'est super. Moi, ça me fera au moins une ultra. Cette box sera réussie. Allez, on passe avec un booster Rexidus. Hop, et on a un Rapion. Lui... je ne sais pas, Drowsy en anglais, Craquenois, Electek, Petitard, Raichu, Vigoroth, une énergie plante. Donc Gotita, c'est Scrutella, Scrutella, Mesmerella et Siderella, donc c'est Scrutella. Et Libégon, très sympa, waouh, la plus belle rare jusqu'ici. Très très belle carte. Libégon, pas mal du tout. Hop. Allez, deux boosters et on y va avec Mega Scarino. Oups, j'ai un petit truc qui me colle le doigt là. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Ouh, Pikachu, Pika Pika. Magmar. Le jour où je me rappellerai de ce nom, c'est pas grave. Lui non plus, c'est les. Ah si, c'est Shaka Kung Fu. C'est Kung Fuin, Kung Fuin. Shao Fuin, son évolution du dessus, c'est Kung Fuin. Yes! Chétiflore, une traîneur, ok, une autre traîneur, voilà, Tyranidur, et
câbles et les câbles en Rareverse. Magnifique car là on peut voir le Maganon dans le fond, très très beau. Voilà, très très belle reverse. Et Ariyama au, en rare. Tiens, je me demande, parce que là, derrière Libégon, on voit le Ariyama, je me demande s'il fait exactement le même chest. Non, pas du tout. Ok. Bon, ça fait quand même une belle rare. Hop là. Et le dernier booster, Brutalibré. Hop. Olé. 1, 2, 3, 1, 2. Donc là, on a un Rapion, Drowsy, Chitiflore, Exelang, Noibat, comment, Sonistrel, je crois que c'est ça, Amagara, je pense, Untrainer, Vigoroth, Vibranymph en commune reverse, peu commune reverse même, pas mal, et attention, c'est un, ah c'est avec un loup. Comment il s'appelle? Jinx. Alors, j'ai un trou de mémoire. Lipoutou, voilà, Lipoutou. Ouf, pas mal du tout. Ok, bon bah, excellente ouverture. On se retrouve tout de suite pour le récapitulatif, les amis. Donc voici le récap de cette ouverture d'une Elite Trainer Box XY3 Furious Fist en anglais, avec à l'effigie Mega Lucario. Donc dans les 8 boosters, on retrouve, bah là il y a tout simplement toutes les cartes que j'ai eues. Puis la carte ultra rare, donc il s'agit du Rechercheur de Fossiles Entraîneur. C'est pas mal du tout, une Trainer Full Art, je suis très content, c'est la 110ème sur 111. Donc dans cette série, je vous ai toujours pas montré le logo, voilà à quoi il ressemble. Assez bizarre, on dirait une espèce de tête, bon. Je sais pas trop ce que c'est assez bizarre. Sinon, donc il y a 111 cartes plus 2 secrètes. Il y a le Mega Lucario secrète et le Mega Scarino doré. J'avais eu le Mega Lucario dans une de mes ouvertures de Rising Fist en japonais. Puis on a eu un Ampiflore holographique. Voilà, pas mal du tout, 130 PV. 6 cartes rares. Donc Givrali, Libégon, Lipoutou, Ariyama, Polagriff. Et Amalgara, je crois que ça se prononce comme ça. Au niveau des rivers, on aurait eu un Scrutella, Negapi, Electek, Goodlang, Deden, Vibranymph. Et les câbles en reverse. Tout ça c'est des reverse. Hein, et en. Donc ça c'est Electek Sinra, reverse. Avant il y avait les peu communes. Donc là j'ai eu 4 peu communes. 3 peu communes, 3 communes, une rare et une holographique. Il s'agit de Demeteros holographique reverse. Voilà, donc ça c'était tout pour les 8 boosters. Sinon, en plus, dans le coffret, on a eu 4 petits de cartes Mega Lucario, Pokémon XY, 3 Furious Fist. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Sûrement, il y en a sûrement entre vous qui ont déjà ouvert une Elite Trainer Box. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravi d'apprendre quelque chose. Ensuite, on a eu donc plein d'énergie de tous les types, voilà. Les codes online sont derrière. On a eu des petits jetons pour jouer, des dés et les magnifiques pochettes argentées et avec au dos un méga Lucario. Très très belle pochette, je vais les garder scellées. Je les mettrai sûrement pour des cartes ultra rares. Faut que je vois ce que je vais faire avec quand j'entrerai à Paris. Sinon, on a aussi eu un Player's Guide avec toutes les cartes de la série Furious Fist. C'est très sympa, ça permet de cocher comment on est avancé dans la série. C'est vraiment très très utile, ils en donnent aussi dans les decks. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez une question ou quoi que ce soit à dire, ça me fera plaisir que vous laissiez un commentaire. Puis partagez la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ça serait génial. Et enfin, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas d'aller checker la description, lisez-la s'il vous plaît, et allez faire vos précommandes de XY3.Furieux en français sur le site Troll de jeu. Le lien se trouve dans la description, allez vraiment lire la description. Voilà, merci à tous, on se retrouve très bientôt pour encore une vidéo US, soit les 5 boosters XY Furious Fist que je vous ai montré, soit le Mega Charizard Grec Collection. Ciao les amis.